Ça fait fondre la statue. Cool. C'était tout pour moi. Les gobelins répliquent. Ouais. Les gobelins. Les diablotins. Mais il y a l'air d'en manquer deux. Non. Oh non. Non. Oh non. Oh non. Wow, oh non. Si vous voulez, pour je vais les rechercher. Quoi, moi? Un des Gizera ID là. Oh non. Non, non. Bon. Quoi? Mais il y en a tout plein en plus. Qu'est-ce que c'est? Mais on est une délégation. Je vous ai expliqué. On bon, est déjà, si t'es une délégation, sors ici du couloir, c'est dangereux. D'accord. Pourquoi? Fais attention à la lave. Quelle lave? C'est de la lave. La lave, tu la vois pas ou quoi? T'es aveugle. Non, j'ai un rayon de vue très petit, monsieur. Bah, va falloir mettre des lunettes, hein. C'est quoi? Je peux bouger ou bien il me tire? Il tient, hein. Il me tient? Ouais. Tiens par les burnes. Je peux donc pas du tout bouger. Je peux pas bouger, non. Tu peux transpirer, par contre. Il te laisse une main, là, et il y en a deux là qui te disent bon, bam. Oui, alors montrez-moi ce laisser-passer, hein, dit l'autre. Alors, oui, attendez, je commence à fouiller dans mes affaires avec tous mes parchemins, puis je dis, ah non, c'est pas celui-là. Excusez-moi, c'est un peu le bordel chez moi. Donnez-moi 2 minutes, est-ce que vous pouvez juste désactiver le piège et laisser passer mes amis? Et il y a mes amis diablotins qui viennent aussi, eux, ils sont importants, parce que ils sont envoyés ici des 9 enfers exprès pour vous. Vous faire un jet de diplôme? Non. Parce que... Bon bah... Mute. Mais non... Très bon contrôle. Il est joli le dé pourtant, hein. Pourtant j'ai moins 1 en diplôme et du coup j'ai 2. C'est comme un bluff. Ouais. Mais maintenant que t'as les maléfiques, tu peux pas faire... Ah mais non, mais de toute façon tu peux pas te les attaquer. Ouais. Il y a un autre Gizrael qui s'approche de Idriss. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'as pas ton champ de protection? Qu'est-ce qui se passe? Fais attention, alors... mais casse pas le matériel. Non, mais c'est ça va pas ou quoi? Elles ont complètement perdu le contrôle. Elles sont en train de me tirer dessus. Et en plus, il y a un de ces diablotins qui m'a touché tout à l'heure. J'ai perdu mon champ de protection. Donne-leur pas le truc. Mais retourne. Retourne dans le portail, t'en remettras immédiatement. En plus, il y a un demi-orc derrière toi, il va te charger. Tu vas mourir sur le champ. Mais tu crois, c'est pourquoi que j'essaie de traverser ce couloir avec ces sentinelles qui me tirent dessus? Laisse-moi passer. Allez, vas-y, vas-y, dépêche-toi. Ok, cool. Vraiment, c'est le bordel ici. Jamais on... Ah, y a rien qui est organisé. Eredamor, est-ce que tu lui montres quelque chose? Tu veux pas éteindre le piège? Il arrête pas de me tirer dessus, c'est pas grave, on s'occupe de ces fugitifs. Mais éteins le piège comme ça au moins, on se fait pas viser dessus par ces... Touche le portail, ça t'activera une protection, et puis Alors, moi et je lui piège. Montre... T'es vraiment un novice. Mais non, mais c'est pas ça, mais je suis un peu stressé, tu comprends? Ça se voit, ouais. Dépêche-toi alors qu'il arrive. Il fait peur. Je lui montre un parchemin de force de taureau. Je crois que c'est ça. Oui, parce qu'avant t'avais pris un bon parchemin. Ouais, très bien. Il le prend, il l'empoche. Non, j'en avais besoin. La force de taureau, c'est super pour... J'en ai encore plein. Cool, j'ai rien dit. Ils savent pas lire en fait. Et quel est le but de votre visite? Ben on est là pour désactiver Xanthos. Pour affaire.
Non, on va vous mener à la salle de Xanthos, on va tirer ça au clair. Tout à fait, oui, mon cher Victor. Ouais, amenez-les à la salle, amenez-les à la salle, moi je vais me chercher une protection. Victor, il est en inox. Ouais. Est-ce que je peux me lancer un sort par contre? C'est nickel. S'il n'a pas de composante gestuelle ou matérielle, seulement à composante vocale. Mais ouais. En attendant, aux uns. non, matériel tu peux, t'as une main libre. Donc il faut pas qu'il y ait de composante gestuelle. Composante gestuelle. Niveau 3. Ozin. Là. Je retarde mon action. Après celle des diablotins. J'attends que les diablotins y passent. Il est malin, c'est Morgue, le magicien. Non, c'est vocal gestuel, malheureusement. C'est ce que je voudrais faire. Et moi, Morgue, Morgue, ton sort, il a des composantes gestuelles. Oui. Alors, c'est à toi de jouer. Hein. Je vais comme ça, comme ça. Je vais invoquer la première composante de l'attaque à outrance. D'opportunité de prendre ma revanche contre la statue qui m'a pas touché avant. Hein? Vas-y, très que bien. Sachiez, est-ce qu'elle est prise en tenaille par la boîte et moi? Non. Si la boîte elle est menaçante, peut-être, mais. Donc, je vais lui faire une attaque en puissance à moins 3 parce que j'ai. Mais la boîte elle est tellement discrète que. Et puis les lois. Puissant. C'est incroyable. Regardez la puissance qui se déchaîne. Le mort. Attaque à 22, ouais, ça va. Les sauts de dés se lancent. Morgue fracasse la statue en 1000 morceaux. C'est bien fait. Enfin, on n'a pas compris. Maintenant, Morgue fait sa deuxième attaque à outrance. Il est complètement outré. À 0 et à moins 5. Mais contre qui? Non, contre la statue qui est en dessous. Contre la caisse. Qui marche pas, mais bon. Elle est déjà toute déformée. Pas ta caisse. Elle aussi, elle est fracassée. C'est bien fait. Et maintenant, j'ai fait un mur sur la caisse. Peut-être il y a un ennemi qui se cache dessous. T'as de la chance que c'est pas la bonne caisse aussi. Ouais, bah, c'est bien. Je ne vais pas l'utiliser. Pour l'instant, elle m'a rien en fait. Alors, celle-là elle est endommagée, celle-là cassée, celle-là elle est endommagée. Ça, c'est pour ta gueule. Ta caisse. Voilà. Ah, elle se tourne toute en direction d'Idriss. Exactement. J'ai fait une diversion. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai rien fait? J'ai fait une diversion pour toi. Ah, c'est pas vrai, j'en ai distrué une. C'était pas ma faute, c'était les autres, ils l'ont fait. C'est lui là, le mec vert là, avec les gros muscles. Alors, 16, je pense que ça rate. 32. Oh. Attaque critique, hein, MJ. Ah oui. Confirme. Arrête critique. De rappeler les critiques au MJ, s'il te plaît. Mais il va pas la confirmer. Oh merde. Alors toi. On me voit pas. Toi, que je vois pas. J'ai caché. Alors 3 dégâts pour la critique. Toi. Je suis caché. Ok, combien 3 dégâts pour la critique? Ça va aller. Je vais survivre. Ah ouais, survive. Et pour la vie, hein, Rosine. Hein? Mais tu as. Non, mais de toute façon, ça touche. Deux, parce qu'il y a la caisse. Ça touche même pas avec la caisse. Et puis encore une fois, de la caisse. Raté, 23. Raté. Non. Ok, ça c'était les pièges. Putain, 3 points de dégâts, c'est inacceptable. Idriss.
Donc je vais... Putain, les dés, ils restent là ou c'est quoi l'histoire? Tu dois cliquer dessus. Ah, c'est bon ça, c'est parti. En effet, effectivement, merci beaucoup. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je fais les runes. Changer le portail en rouge. Laquelle? Les runes. Ah, en rouge. Ouais, ou bien je peux le changer en vert aussi. Tu sais le changer en vert aussi, ouais. Ah bah ça c'est cool. Ça c'est cool, ouais. On a toi appris. Mâche planaire. Eh, c'est moi le mâche planaire. J'entends un bruit de portail là. Plop. Oh. Success. Trop bien joué, Idris. Bien, on va faire ça sur le tir à l'œil. Non. Tu as l'air tellement putain. À nous deux, on peut en venir à bout, c'est sûr, nous sommes des héros. Non, je préfère boire une bière tranquille. Non, je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. Alors oui, la question de... Donc, les guises de rails, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment on va faire pour se téléporter? Comment tu changes les portails? Donc à droite, tu vois un rebord et tu sens déjà le chaud de la lave que tu vois en bas. C'est une caverne remplie de lave. C'est pas bien. C'est cette ta lave, hein, c'est sacré. C'est Kossuth. C'est sac... c'est l'énergie. Le... C'est là dedans que on les Gizerai puisent l'énergie pour alimenter leur portail qu'ils utilisent dans cette forteresse. Ça me donne une idée. Colonne de feu. Non. Boule de feu. Alors. Non. Tempête de grêle. Ça c'est... Flipside. Le druide de Kossuth est un être complexe aux confins de la complexité dualitaire de son dieu. Oui, mais je vénère aussi Sylvana de temps en temps, hein. Ça y est. Une fois par semaine. C'est la confuse. Gobelin se jette sur le Gizerai avec son bouclier, avec le fameux... Paf. Ah ouais, ça. J'ai jamais entendu ça, il fait quoi? Exact. Paf. T'as le... C'est nouveau, ça. Et c'est à Ozan qui avait retardé son action. Youhou. Et paf, le chien. Le tchac 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 de la girafe. Tu connaissais. C'est ce que je voulais faire. Ah oui, ok. Et c'est Wouf le chat ou bien... Oui. Est-ce que j'arrive à tirer discrètement depuis ma cache? Bien sûr. Alors je tire discrètement depuis ma cache. Je suis toujours caché. Oui. Dans ta cache. Alors c'est très bien, je fais une attaque sournoise à outrance sur le guide des rails. Certes. Alors attaque à outrance sournoise, c'est parti. Trois lancers. La première attaque à 24, la deuxième à 15 et la troisième à 26. Tchac, 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 tchac. C'est Ozan la mitraille. Trrr. Pourquoi oui. Mystère qui désapparaît? Et le Gizerai meurt dans l'atroce souffrance, criblé par des flèches. Fra fra fra. Fra 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 fra. Ah non. Je voulais encore... Oh. Je voulais te dire que je... Tu diras à ma femme... que... Ah merde, je me suis pas marié. Je suis venu te dire que je mens. Je peux faire un déplacement encore. Hein. Oui. Pourquoi c'est la caisse qui avance? Et puis femme. Parce que c'est toi la caisse. Ah, la ok. Alors, un, deux, ouais, mais je peux faire qu'un déplacement de moitié, c'est ça? Donc je vais jusque là. Oui. Et je suis toujours into the box. Inside the box. Inside the box. Par contre, j'arrive pas à changer mes stats. Think inside the box. C'est ça, c'est lui. C'est Rosa, hein. Alors, voilà, et ici c'est... Ah, purée, c'est où mes flèches? Celui-là. Mort qu'il a bugué, il dit plus rien.
Mori, médite. Médite. Maudite. Médite, vous faites quoi, Mork? Médite. Voilà. Alors. Et je suis toujours dans la caisse. Bon, on se replie là, ça, c'est de la merde. Faut pas médire. Tu fais de la pub pour quelle bière là? On se replie parce qu'on est dans, dans de sales draps. Ce stream n'est pas sponsorisé. Les Guiserais t'amènent dans la salle de là. Fred, Fred Amor, tu vois là un qui saute par-dessus le ravin. Et l'autre t'amène au bord et te dit vas-y, saute. Mais t'es con, mais. Il t'a lâché. Il m'a lâché? Mais c'est ton dieu. Allez, saute ici. Souvent. Comment ça saute là? T'es fou ou bien je vais pas sauter là? Non, non, non! Saute par-dessus le bord! Non! Pourquoi? Attends, il y a mes amis, ils doivent venir! Oui, ils viendront! Comment ça? Mais non, ils sont pas des amis, ils sont en train de nous attaquer! Mais si, c'est mes amis, je t'ai dit! T'as pas lu le parchemin? C'était marqué taureau. Force! Lui là-bas c'est taureau et lui c'est force. On vous amène pour régler tout ça. Oui, oui, mais attends, les autres. En plus. Les autres là, c'est... ils sont agressifs. Ils sont agressifs? Mais non, c'est les statues qui nous attaquent. Ah oui, bah je vais aller. Reste là. Je vais envoyer l'autre saute et puis on va désactiver ça. Je viens d'avoir eu une idée super perverse. Moi je retarde mon action, hein. Puis j'attends qu'il parte. Okay. Ah oui. Ne fais pas ça. Non. Pardon. Alors qu'est-ce que tu fais? Quoi, moi? Last chance. Ouais. Moi je fais pas ça. Non, 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 mais non, mais je dis allô à Idriss de pas faire ça. Non. Moi. Rien. Je fais rien. Je dis à mon serpent de venir, puis à mon dromadaire. Oh putain, on a oublié ceux-là. Ah oui. Ils sont vachement loin. Ils étaient pas avec un tir à neige d'ailleurs. J'espère pas. Bah moi non plus. Puis si, dès que l'autre gars il part là, je vais lancer un sort. Morg. Morg le magicien. C'est toi le mage planaire cette fois. Morg. Oui, c'est le mage à plein air. C'est le mage qui en a plein air. Attention, courir, c'est une action complexe. 1, 2, 3, 4, 5, pousse-toi, je bouscule. 5, 6, 7, 8, 9, 11. Attention, il y a des pièges ici, rien à mort. Borg. Ouh. Voilà, coucou les copains. Ah mais non toi. Morg s'arrête au bord du précipice devant la lave. Ah oh. Oh là 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 là. Une des créatures dans le magma regarde. Un des élémentaires dans le magma regarde ce qui se passe sous le pont. T'as dit des élémentaires de feu en bas? De magma. Alors, c'est pas des élémentaires, c'est des éléments en magma. Mon cher Watson. Ah, tu peux pas me voir mourir, pourtant j'ai fait une mort épique. D'accord. C'est ma vidéo. Ben remets ta vidéo. Ah non, t'es toujours secret. Ah ouais. Il est toujours cassé. Secret agent. Et tu caisses. Et tu caisses. Alors, il y a trois archers qui... robots. Statue archer. Robot archer. Qui Caillou piège. Eh mais alors papier et ciseaux. Il faut du papier pour les enrober. Deux fois avec la protection. T'as des parchemins toi. Deux fois normal. Deux fois normal. Alors il a. T'as mis ta TA? T'as une certe combien toi? Qui moi? Tu parles à qui? Idriss. Moi, j'ai une CA de, avec le bouclier, et 27. Deux touches. Elle tire tout sur ça moi. Ça fait 5 dégâts. Putain. Bah t'es le seul en ligne de vue, ouais. Moi, je m'ai caché. Il y a deux touches. Et non, mais t'es le plus... T'es le... Et entre Morg et toi, il tire sur le plus proche, donc il tire sur toi. Bon,
Alors, parce que là, bientôt, ça commence à faire mal, ça pique. Culé, ça commence à faire vraiment mal. T'as pas un truc de point de vie juste à côté de toi, là? C'est vert? C'est... Je croyais que c'était l'essor. Non, l'essor, c'est jaune. J'ai fait la rune magique pour l'essor. Non, ça, c'est les points de vie. C'était l'essor. Oh, merde. Ah, mais justement... Pas grave. Je fais un pas de placement. Ici, en fait. Ça change rien du tout. Je m'en fous. Et après, je utilise le truc. Le machin. Le truc taille vert. Pour réinitialiser tous les points de vie. Ok. Non, en fait, je vais vous faire... Vous tous nouveaux. Non, parce que ça peut soigner mes amis. Est-ce que je regarde, est-ce qu'il y a des autres amis qui saignent? Oui. Bon, oui. Alors, je fais un autre pas de placement différent. Je fais un placement ici. Pourquoi? Et je fais un déluge de coups. Non, mais ça nous soigne tous dans la région. Oui, dans la région. À combien de distance? Mais à distance d'odeur de paix. Faut être à côté, jusqu'à maintenant, de ce que je sais. Donc je voulais le sauver pour que tu puisses l'utiliser tout à l'heure. D'accord. Et je fais un déluge de coups. Boum. Hein? Ça marchait pas. Ah si, ça marche. C'est vraiment ça? Attaque à 10 et à 8. Puis c'est vraiment aussi nul que ça? Puis t'as fait 2 ou à l'autre jet de dés, hein? Mon 4 Dieu, et 2. Bon bah voilà quoi, ça... Alors, t'es pire que moi au bluff, hein. C'est pas vrai. T'as fait 3 et 2. Alors, tu... la première attaque, elle va contre qui? Celle qui est entre Ozan et toi ou celle qui est à ta droite? Bah écoute, ta gauche, la première attaque va à celui où j'ai peut-être une mini chance de le toucher éventuellement sur... Comme ça, il en tenaille. Chance. Ah mais attends, mais c'est des attaques de contact. Ouais non mais c'est des attaques de mêlée, ça compte avec mes attaques de mêlée, ouais. Il est en tenaille à part ça, celui entre nous deux. Mais dans le sort c'est marqué attaque de contact ou bien attaque avec arme naturelle. Est-ce que je peux choisir de faire une attaque de contact? Est-ce que c'est mieux contre la CA ou bien est-ce que c'est mieux si je fais un coup de poing? Oui c'est mieux contre la CA. Mais tu fais que les dégâts du sort, pas les... parce que finalement tu fais que le... Ouais, tu d'accord, fais que non le... non alors je laisse comme attaque normale. Je laisse comme attaque normale. Ok. Ouais. Alors, la première elle touche, cool. Tu rajoutes des dégâts d'acide. Ouais, et c'est un D8, c'est pas un D6, je me suis gouré avant. Oui. Et tu la défonces. Et l'autre, ça touche pas. L'autre, tu la mets contre l'autre. Non, bah ça touche aussi. Ça touche aussi. Ouais, elles sont pas très fortes, hein. Elles sont sur des socles en fait, c'est ça qui est bien. Donc, ça fait 8 plus. C'est facile! Les statues ne rentrent pas les coups. Tu veux qu'on se batte, toi? Non, en fait, peut-être pas. Et celle-ci aussi est détruite. Quoique, ce serait peut-être intéressant de voir une fois. Avec des armes en caoutchouc. Des armes en latex. Excellent, je suis très satisfait d'avoir tué ces deux putains de statues de merde qui me faisaient mal. Subang. Paf. Tu fais exploser la barrière de protection des gardes. Sont quand même plus tolérables à ce niveau-là, les diablotins, quand même. Mais je crois que les grandes douleurs sont muettes. Et c'est à Ozan, l'homme sous sa boîte. Le hobbit sous sa boîte. La boîte se déplace. La boîte se déplace avec dessous le hobbit. Sois content, j'ai vraiment fait de la place ici, hein. Et je fais une attaque avec ma rapière cette fois-ci. Et la groove box. Ah. Et la groove box, tu fais un peu des dégâts, s'il te plaît. À outrance sur. Sur la statue qui est en dessous. Alors, 19, 21, 13. Ah, par contre, c'est. 19, 21, que 2. Ah oui, 19, 21, oui. Oui, parce que c'est pas tir rapide. Oui, par 19 contre, et 21. C'est pas. Ah mince, j'ai pas calculé avant. Quoi? Donc, comme c'est de l'arme, une statue, et à pas aucun vito. Hein. Ouais, mais je vise les interstices. Les socles où il y a des trucs. Elle est pas tout en pierre dans les interstices, j'ai une rapière. Ah mais c'est parce qu'elles ont... Ah, plus de haut, dégâts. Typique, c'est ça. 5...
3, 4, 5, et puis 2 plus 2. Ouais, elle est coincée. Juste, juste. Ok, ouais. Par contre, ta rapière est coincée dedans. Il va falloir une action pour la sortir. Ça marche. Attendez-moi. T'as mis la croix au fond de l'endroit? C'est mon outil de travail qui est coincé. Non mais, attendez, comment vous avez réussi à dévacuer mon bout impossible? Comment vous avez fait ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Moi j'avais retardé mon action, hein. Oui, après leur action, hein. Ouais. Non. Ouais. Tu peux agir avant eux, si tu veux. Non. Tu peux agir une fois avant eux. Okay. Non, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Pourquoi? C'est parce qu'on est élu de Kossuth. Il prend une position défensive. Une position défensive. Qu'est-ce que... Il est en position fœtale. Florian, on dirait que ton sourire, il est collé. J'étais content, Florian. Je vais demander que ce soit à mon tour. C'est à Eren Amor. J'aimerais lancer un sort. Viens, mon enfant. Il est temps pour toi d'être purifié. J'aimerais lancer un sort de niveau 1 qui s'appelle Flamme. Les flammes apparaissent dans la main du personnage. Flamme, je capitaine, flamme. Flamme de notre flag. Cette prison. Pour brûler ses ennemis au contact. Le personnage peut donc brûler ses adversaires en réussissant une attaque de corps à corps au contact. Non, mon bébé 1, c'est 6, non? Plus la dextérité. C'est quoi? Sort de contact à distance ou pas? Non. C'est ma main, elle brûle et puis je lui brûle le visage. Plus ta force. Non, ma force. Plutôt ma dex. Non, pour... À moins que t'aies attaque en finesse. Ou ta dex, tu peux prendre ta dex. T'as attaque en finesse? Non. Bah alors tu peux pas. Ouais, non, c'est la force. Alors c'est plus 0. Donc ça sera juste mon bébé 1. Oui. Oui. Ah non, dommage. 11. Je vais te jeter cette allumette dans l'œil. oui, ça touche. En contact, oui, ça touche. Ah, ça touche. Ah bon, bah, on fera les dégâts. Kossuth. Par contre, fais-moi ça. Ton sort est sujet à la résistance magique. Oui. Alors, tu fais un jet de résistance magique. C'est ton. Destin. C'est un des 20 plus le niveau du sort. Un des 20 plus 1. 12. Ça passe. Ça passe. Juste. Bon. Juste. Donc c'est un des 6 plus 9 de dégâts. Mm-hmm. Là c'est 15 dégâts. De feu. Kossuth te purifie, mon enfant. J'aime les sorts de niveau 1. Simple, efficace. Ça marche. Ça marche sur les sbires, après, je sais pas si... Bon, j'ai fait max dégâts aussi. Ouais. Bon, c'est quand même un plus 9 derrière, donc... Ouais. Un dit. Puis je dis à l'autre, il est temps de venir, viens mon enfant, viens. Ah, j'ai des bonbons. Protégé par mon pied, je vais te jeter dans la lave. Tu as brûlé mon frère. Morgue, retarde son action et fais un pas de placement. Idriss, le tueur de statues. Fais des points de régénération. Régénère-nous. Régénère-nous. Régénère-nous.